أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن التوبة الصادقة وبدأنا بذكر توبة المؤمنين وسردنا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما تخلف عن غزوة تبوك فتوقفنا في اللقاء الماضي عند قول كعب رضي الله عنه وأرضاه قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة كعب بن مالك. Mes chers frères, mes chères sœurs, Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, on va continuer toujours de parler sur le repentir de Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik, c'est un compagnon parmi les meilleurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a commis une faute. Il n'a pas participé dans un combat contre les Romains. Et ce combat, il s'appelle le combat de Tabouk. Ka'b ibn Malik, il avait les moyens financiers, il avait la capacité physique, mais il n'a pas participé dans ce combat. Alors, Nabi alayhi salatu wa salam, il est resté 21 jours dans un endroit qui s'appelle Tabouk pour combattre les Romains. Mais les Romains, ils ne sont pas venus pour faire le combat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de combat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait le retour à Médine. Wa qulna la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il rentre chez lui, il commence par la mosquée. À chaque fois qu'il retourne d'un voyage, il commence par la mosquée, il fait 2 unités. Et c'est ça ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est retourné à la mosquée, il a fait 2 raka'at, mais il s'est assis pour écouter les questions des gens. Alors là, il y avait 86 personnes qui sont venues voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée. Ces 86 hypocrites, ils avaient la capacité de participer, mais ils n'ont pas participé dans ce combat. Chacun, il donne des excuses. Celui-là, il dit, j'avais ma femme qui était malade. L'autre, il lui dit, mes enfants. L'autre, il lui dit, j'étais malade. Chacun, il donne une excuse mensongère. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il a accepté leur excuse. Il demanda à Allah de leur pardonner. Qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous pardonne, qu'Allah vous pardonne. Et il n'a pas fait le reproche à une de ces 86 personnes. Mais Ka'b ibn Malik, le tour de Ka'b ibn Malik, quand il est arrivé son tour de partir pour demander l'excuse à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit Ka'b? Il a dit, j'ai décidé de lui dire la vérité. J'ai décidé de lui dire la vérité. Fa qala falamma dakhaltu
Tabassama tabassum al-mughdab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il m'a regardé et il m'a fait un sourire de quelqu'un qui est énervé. Un sourire de quelqu'un qui est en colère. فقال لي تعال ما خلفك يا كعب ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ Pourquoi t'es pas participé? T'as acheté deux montures. J'ai l'information que t'avais les moyens de participer. Pourquoi t'es pas venu avec nous? فقال كعب والله يا رسول الله لو جلست إلى ملك من الملوك أو رجل من أهل الدنيا لخرجت من سخطه فقد أوتيت جدلا ولكني أعلم إن قلت كلام كذب ترضى به عني يوشك الله عز وجل أن يفضحني ويسخطك علي. Alors là, Ka'b ibn Malik lui dit, moi j'ai la possibilité de te mentir et je sais parler, mais devant moi il n'y a pas un roi, c'est pas un président, devant moi il y a un prophète qui reçoit les informations d'Allah Azza wa Jal. Alors je ne peux pas te mentir, je vais te dire la vérité. Qala wallahi ma kuntu aqwa qattu mithla ma kuntu fi hadhihi al-ghazwa. J'avais deux montures et je n'ai pas participé. J'avais la possibilité de venir, j'étais en pleine santé, j'avais le temps, j'avais les moyens financiers, les moyens physiques, mais je n'ai pas participé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم, regardez, 86 personnes y sont passées devant celui-là, et quand Ka'b ibn Malik il a dit ça, قال أما هذا فقد صدق. Donc celui-là, il a dit la vérité. Les autres, il a accepté, il les a laissés. Mais celui-là, قال أما هذا فقد صدق. قال قم يا كعب حتى يقضي الله فيك. Alors maintenant, lève-toi, retourne chez toi. Et on va attendre le jugement d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que Allah il va décider par rapport à cette faute-là? Est-ce qu'il y a une punition qui va descendre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Faqal wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an kalami la nahnu talaba. Ka'b ibn Malik, il a dit la vérité. Il y a d'autres personnes qui ont dit la vérité. Deux, ça veut dire trois personnes qui ont dit la vérité. Hilal ibn Umayya, un homme qui s'appelle Hilal ibn Umayya, il a dit la même chose. Il a dit, j'avais la possibilité et je n'ai pas venu. Murar ibn Rabi' le troisième, il a dit la même chose. J'avais la possibilité et je ne suis pas venu. Ils n'ont pas dit de mensonge. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre à tous les compagnons de couper leur relation avec ces trois personnes. De couper la relation avec ces trois personnes. Yaqul فَتَغَيَّرُ لَنَا. Il a dit, Ka'b ibn Malik, après ce jour-là, j'ai vu que les gens, le comportement des gens a changé avec nous. Le comportement des gens a changé avec nous. Sahaba, quand ils se rencontrent entre eux, ils peuvent, salam alaikum, ils peuvent parler avec, ils sourient devant son visage maintenant, ils se rencontrent avec ses amis, avec ses voisins, mais personne ne fait un sourire dans son visage. Réunis chauffons, il change la route. Tu le vois venir par là, tu vas changer la route. Tu ne veux même pas lui dire salam. Et s'il te dit salam, tu ne réponds pas. Pourquoi? Parce que le Nabi Sassim, il a donné l'ordre, il a dit, il ne faut pas parler avec ces trois personnes. Quand il a dit, il ne faut pas parler, là il a généralisé. Ça veut dire, tu n'as pas le droit de dire même salam alaikum, c'est interdit. Il a généralisé. Pourquoi? Les ulama disent, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à Sahaba de ne pas parler avec ces gens-là, mais il n'a pas donné l'ordre à ceux qui ont dit des mensonges. Il y a 86 personnes, c'est des menteurs. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des menteurs, c'est des gens véridiques. Alors, pour attendre le jugement d'Allah, on va pas les parler. Ils ont commis un péché, alors ils méritent une punition. On attend, est-ce que Allah il va accepter leur repentir ou pas? Est-ce que Allah, et on va les aider à se repentir. Parce que si lui, il a fait une faute, comme celle-là, un grand péché, et il ne va pas sentir la gravité de son péché, et les gens, ils vont se comporter normal avec lui. Est-ce qu'il va faire un repentir sincère?
Non. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans, il est dans des grands péchés, mais il a une bonne relation avec les gens. Et les gens, ils parlent avec lui normal, c'est comme quelqu'un qui est normal. Maintenant, des vendeurs d'alcool, il a une épicerie, il vend de l'alcool, et les gens, ils mangent chez lui, ils l'invitent chez eux, salam, salam, ha. Ils vont partir au Umrah ensemble, ils vont partir au Hajj ensemble, ils vont venir à la mosquée ensemble, ils vont... C'est vrai ou pas? Alors comment ce musulman, il va sentir qu'il est dans un endroit dangereux? Comment il va sentir qu'il fait une catastrophe, qu'il est en train de désobéir à Allah? Comment il va sentir ça? L'imam de la mosquée, il a une bonne relation avec lui. Les responsables de la mosquée, ils ont une bonne relation avec lui. Il rentre à la mosquée, il est bien accueilli. On fait que... Subhanallah, c'est pas ça. Jamais il va faire un repentir sincère. Cet homme-là, cette personne-là, jamais il va faire un repentir sincère. Pourquoi? Parce qu'on ne l'encourage pas. On ne l'aide pas à faire un repentir. Au contraire, lui, il croit qu'il est aimé parce qu'il a l'argent. Il est aimé. Alors il ne va jamais arrêter de vendre de l'alcool. Il ne va jamais arrêter de tricher. Il ne va jamais arrêter de voler. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi j'ai de l'argent et c'est l'argent qui me donne ma valeur. Alors si j'arrête de vendre de l'alcool, si j'arrête de vendre de la drogue, qu'est-ce que je vais perdre de l'argent? Si je perds l'argent, je vais perdre ma relation avec les gens. Subhanallah. Sahaba radiyallahu anhum, c'est pas ça. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces trois personnes, ils ont fait un péché, alors il ne faut pas parler avec eux. On va attendre. Est-ce qu'ils vont faire un repentir sincère? Ils vont regretter ou pas? On ne parle pas avec eux. Et imaginez, ce n'est pas un jour ou deux jours ou trois jours. Combien? 50 jours. هنا العلماء يتكلمون عن هجر المسلم لأخيه المسلم. Dans cet événement, est-ce que tu as le droit de couper la relation avec ton frère musulman? Nous, on a un autre hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Le musulman, il n'a pas le droit de quitter son frère musulman et de couper la relation avec lui plus de 3 jours. Mais là, on voit que 50 jours. Alors, il y a un détail. Tu n'as pas le droit de couper la relation avec ton frère musulman plus de 3 jours si le problème, c'est un problème de dunya. Mais si le problème, c'est un problème religieux, tu peux le quitter jusqu'à ce qu'il fait son repentir. Maintenant, j'ai un ami, j'ai un voisin, j'ai un oncle, j'ai un frère. Ils vendent de l'alcool. Et toujours on parle avec lui. Taqillah, c'est pas bien. Mais il ne veut pas arrêter. On a le droit de couper la... Mais ça devient une obligation de couper la relation avec lui. Je ne parle pas avec lui. Je ne fais pas salat al-rahim avec lui. Même salat al-rahim, il y en a des gens qui vont te dire, mais non, c'est ton oncle. Quand même, c'est ton oncle. Il faut l'appeler pendant l'Eid, lui passer salam, il faut demander ses nouvelles. C'est ton oncle, c'est la tarahim. C'est la tarahim avec quelqu'un qui ne fait pas les grands péchés en plein public. C'est ça, c'est la tarahim. L'inna rahim, allati yasiruha al-muslim, yasiruha lillah. Rahim, pourquoi toi tu fais c'est la tarahim? Pourquoi tu respectes les liens de parenté? Pourquoi? Pour satisfaire à Allah. Parce que c'est Allah qui t'a demandé de garder cette bonne relation avec ta famille. Mais si cette famille, c'est des gens qui propagent la corruption, ahlou fasad, et toi, tu as essayé de les corriger, tu les as conseillés avec politesse, avec gentillesse, avec science, avec preuve, mais ça ne sert à rien. Alors la deuxième étape, ça sera quoi? Ça sera couper ta relation avec eux. Et tu vas couper la relation, tu vas respecter les liens de tes parentés pour Allah. Et tu coupes la relation avec ces gens pour Allah. Les deux, tu les fais pour qui? Pour Allah. Et c'est ça qu'on s'appelle aimer pour Allah et détester pour Allah. Al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. Toi, tu ne détestes pas la personne. Non, tu détestes ce qu'il fait. Quand il va arrêter de faire ça, c'est bon, la relation va devenir normale. فلذلك لا بد للمسلمين ان يتفقهوا في هذا الفقه. Il faut que le musulman sache comment se comporter dans ces situations.
Des fois, dans des familles, on trouve que une famille, mashallah, le père il fait la prière, la maman, il jeûne le ramadan, il respecte la religion, mais ils ont par exemple un fils, un enfant, un garçon, vendeur de drogue. C'est le fils, c'est les parents. Les parents, ils ont une relation avec leur enfant. Mais le papa, la maman, ils voient que son fils, il ne travaille pas, il n'a pas un métier, c'est pas un commerçant. Il vient avec des voitures de luxe, il ramène de l'argent à la maison, il achète le frigo, il achète ça. Mais mon fils, attends, mais d'où t'as ramené ça? Attends, moi j'ai travaillé 40 ans là, 50 ans, et j'arrive pas à gagner comme tu gagnes. Tu travailles où? T'as un diplôme, t'as un métier, t'as un commerce, tu fais quoi? Non, les parents, ils ramènent l'argent, barakallahu fek, barakallahu fek, que Dieu te protège, que Dieu te... Mais d'où t'as ramené ça, min aïna la kahana? Alors, l'enfant, quand il va écouter les doigts de ses parents, à chaque fois, il ramène quelque chose à la maison, que Dieu te protège, les parents, ils sont contents, est-ce qu'il va arrêter? Il va continuer. Il va te dire, moi, j'ai la bénédiction de mes parents avec moi. La bénédiction de mes parents, il est avec moi. Il ne va jamais arrêter. Il ne va jamais faire un repentir. Il va jamais... Et ça, c'est pour les hommes et pour les femmes. Aussi, on voit des femmes, des filles, par exemple, on voit deux ou trois copines, ou bien sœurs. La première, elle est voilée, elle porte son voile. Et la deuxième, à côté d'elle, est d'une manière habillée et nue, en même temps. Kassiyatun, aliyat. Et ils se rigolent, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, voilà, normal, c'est comme, il n'y a rien. Et pourquoi? Oui, je l'ai conseillé, j'ai parlé avec elle, mais il ne veut pas, c'est pas... Mais non, tu as utilisé le premier, la première étape, tu as essayé d'utiliser des paroles. Al-Maw'id al-Hasana, tu as fait un bon rappel, tu as donné... Mais après, il faut couper la relation pour qu'il va sentir qu'il est coupable. Il est dans la faute, il a fait une faute. Ça va la motiver, ça va l'encourager à penser, à faire ça, à changer ce péché. Sinon, il ne va jamais arrêter. Nous, maintenant, on voit les relations, c'est bon. Mais non, Allah, il est bien, il a un bon cœur. Oui, il a un bon cœur, il est bien. Mais nous, on parle de quoi? Ibn Malik, c'est un compagnon de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est parmi les meilleurs compagnons. Mais quand il a fait la faute, il a fait cette faute-là, Nabi Sallam, il n'a pas dit que Ka'b n'est pas bien, ou bien son cœur il n'est pas bien, ou bien c'est un hypocrite. Non, il a dit il a fait ça, il ne faut pas parler avec lui. Pourquoi on ne parle pas avec lui? Parce qu'il a, s'il n'a pas fait la faute, c'est bon, il n'y a rien qui va se passer. Mais maintenant, et il a dit la vérité, est-ce que Ka'b il a menti? Al-Kadab. Il a dit la vérité. Et avec cette vérité, Nabi Sallam, est-ce qu'il a dit c'est bon? Tu as dit la vérité, c'est bon, alhamdoulilah, regardez, il a dit la vérité, c'est bon, ya Rabbi, smihlullahumma. Non, il l'a laissé comme ça, pourquoi? Pour l'éprouver, on va éprouver cette vérité. Tu as dit la vérité, on va voir, est-ce que tu vas assumer ta responsabilité ou pas? Est-ce que tu es sincère à 100% ou pas? Pourquoi tu as dit la vérité? Si tu as dit la vérité pour Dieu, Dieu il va t'aider à t'en sortir de ce problème. Et si tu as dit la vérité pour satisfaire telle ou telle personne, ou bien pour dire, pour attirer l'attention des gens, oh c'est quelqu'un qui dit la vérité, alors Allah Ta'ala il ne va pas t'aider à faire un repentir sincère. Falidalik ayyuha al-ikhwatul kiram, là, l'ordre qu'il y a dans le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mon compagnon, il faut couper votre relation avec lui, c'est un moyen d'éducation. C'est un moyen d'éducation et c'est un moyen d'aider les gens à corriger leur relation avec Allah. Si on pratique ça dans notre famille, avec nos enfants, avec ta femme. Regardez le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, un jour, il a coupé la relation avec une de ses femmes pendant un mois. Il n'a pas parlé avec elle. Pourquoi? Parce que cette femme, il a dit quelque chose contre une autre femme. Il a parlé sur Jouayriya, la femme de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qui s'appelle Jouayriya, il était une juive convertie. L'autre, il a dit, il était en colère par jalousie, il lui a dit, Al-Yahoudiya. La juive a dit. Maintenant, il n'est pas juif, c'est une musulmane. Quand il a dit ça, il n'a pas parlé avec sa femme
pendant un mois, Hajaraha, Hattatabat, jusqu'à ce qu'il a fait un repentir sincère, et il a regretté un mois. Pourquoi? Parce qu'il a dit un mot qui n'est pas dans sa place. Il a vexé l'autre femme, et il a dit ça par jalousie. Ça veut dire, c'est pas, il a fait expresser, c'est pas, on peut lui donner une excuse. Mais non, dès que tu as sorti ça de ta bouche, le Nabi Hajaraha li muddati shahr. C'est sa femme, c'est pas son ami, c'est pas son voisin, c'est sa femme. Il a coupé la relation avec elle pendant un mois. Et ça, c'est une manière d'éduquer. C'est une manière, même dans les écoles maintenant, il utilise ça d'une manière légère. Par exemple, un enfant qui fait beaucoup de bruit à l'école, qu'est-ce qu'il va lui donner? Par exemple, la maîtresse, l'imam, il va lui dire, va là-bas et reste tout seul. Personne ne parle avec lui. C'est une punition, c'est une manière d'éduquer. C'est une punition. Il n'est pas, tu ne vas pas le taper, tu ne vas pas, voilà. Mais, il va sentir coupable. Quand il va se retrouver seul, personne ne parle avec lui. La yataklamu ma'ahu ahad. Ça veut dire qu'il va sentir qu'il est détesté. Pourquoi je suis détesté? Parce que j'ai fait ça. Alors si je laisse ça, je vais devenir à la normalité. Les gens, ils vont se comporter bien avec moi. Alors il va commencer à réfléchir, à penser, à délaisser le péché, à enlever le mal pour recommencer et notre vie. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là et on va continuer cette histoire demain. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, Allahumma allimna ma yinfa'una, fa'na bima allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.